Allô ? Salut Valentine ! Ah, salut Claudia ! Ça te dirait d'aller boire un verre chez mon cœur Belleville ? Oui, par contre, est-ce que tu sais si je peux y aller en fauteuil ? Je suis pas sûre. Faudrait que tu vérifies. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur J'accède et puis je te rappelle. Ok, à tout à l'heure. Et donc, ça sert à quoi exactement ? J'accède, c'est une appli pour aider les personnes à mobilité réduite à savoir où aller en fonction de leur propre mobilité. Donc ça peut être utile, je sais pas, aux jeunes parents avec des poussettes, aux seniors. Ok, donc c'est pas que pour les personnes en fauteuil uniquement. Ah bah non, ça concerne vraiment tout le monde, parce qu'on on a tous une mobilité qui diffère. D'accord. Par exemple, même tu peux avoir un problème, une déficience visuelle, auditive, mentale, c'est pas que le moteur. D'accord. Par exemple, ici c'est un café, il est important de référencer son accessibilité, donc il s'appelle le compteur Voltaire. Donc je vais dans la barre de recherche, je tape son nom. Voilà, et là, toi, tu as toutes les informations sur l'info pratique du lieu qui apparaissent. Nous, on va se concentrer sur l'accessibilité. Tu peux aussi rajouter des commentaires et faire vivre l'affiche. Bah voilà, tu vas dans un lieu que tu trouves sympa, il suffit juste de référencer, de te créer un compte. Tu réponds aux questions et ça y est, après, moi, j'ai des infos, ça me fait un espace de liberté en plus. J'y vais en connaissance de cause. Si je peux dire où je mets les pieds, où je mets les roues, si je peux y aller, c'est vraiment indispensable en fait. C'est vrai que tous les gens aujourd'hui, ils n'ont pas forcément de temps, faire du bénévolat, c'est coûteux, etc. Là, c'est sur ton téléphone, franchement, et tu fais un geste vraiment pour faciliter la vie de chacun, en fait. Ok, donc voilà. C'est collaboratif. Tout à fait. Tout le monde peut contribuer. Allez-y.